Une des principales difficultés dans une opération, c'est la coordination. C'est Et pour sa ça que la réussite en dépend planification est très devenue largement. centrale. Enfin bref, sans planification, une opération peut vite virer à la cacophonie. Aujourd'hui, nous allons parler de planification et de coordination en comparant deux assauts de Malakoff en juin et septembre 1855. Cette bataille est un moment clé dans le siège de Sébastopol mené par les Français et les Britanniques contre le port fortifié russe. Ce siège est un pivot de la guerre de Crimée qui, pour être bien comprise, doit être vu comme un conflit géopolitique des intérêts impériaux de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la France. Nous sommes en 1853. Ce qui nous intéresse, c'est l'empire turc-ottoman surnommé l'homme malade de l'Europe et la Russie. Après pas moins de 9 guerres russo-turques depuis 1568, les Russes ont clairement pris l'avantage sur l'empire ottoman qui s'avère être incapable de se réformer. Et il ne manque pas d'appétit, toujours prêt à gratter des territoires sur cet empire en déclin, ce qui, en plein grand jeu, ne manque pas d'inquiéter les Britanniques. Cette dernière surveille la région et ne manque pas d'assurer son soutien aux Ottomans. Et histoire de compliquer l'équation, les Français viennent ajouter leur grain de sel. En effet, cela fait à peine un an que Napoléon III a fondé le Second Empire en renversant la Deuxième République, et ce dernier a besoin d'assurer sa légitimité. Inutile de vous dire qu'après la Révolution française, l'aventure napoléonienne et deux autres révolutions, la France est un pays quelque peu surveillé en Europe. Aussi, l'empereur fraîchement couronné cherche à s'intégrer dans le Congrès de Vienne. Tout en voulant remettre la France au centre du jeu. Et pour cela, il s'engage de plus en plus auprès de la Grande-Bretagne, qu'il voit comme le véritable arbitre de l'équilibre mondial. Or, depuis quelques années, l'affaire des lieux saints, qui oppose orthodoxes et catholiques dans la gestion des 10 lieux saints en Palestine, pose les Ottomans en arbitre du conflit. Ils sont la cible de pressions diplomatiques importantes par les Russes pour les orthodoxes et par la française Napoléon III pour les catholiques. Ce dernier, dans un parfait exemple de la diplomatie de la canonnière, envoie un navire de ligne pour forcer la main des Ottomans qui favorisent alors les catholiques. Sans rentrer dans les détails, l'escalade diplomatique commence ici. Et après quelques offres russes inacceptables, donc refusées par les Ottomans, les troupes tsaristes occupent Moldavie et Malaquie, principautés sous contrôle indirect des Ottomans. Le 4 octobre 1853, les Turcs ottomans déclarent la guerre à la Russie. En moins de 3 mois, ils sont clairement défaits à plusieurs reprises, ce qui inquiète les Occidentaux. Après de longues tergiversations, Napoléon III parvient à forcer la main aux Britanniques en proposant tout d'abord de protéger les navires turcs en mer Noire. Mais les Russes refusent les négociations. Finalement, c'est en mars 1854 que Français et Britanniques déclarent la guerre à la Russie. Et accessoirement le royaume de Sardaigne. Après une intervention rapide en Valaquie, Français et Britanniques réembarquent. En effet, les Autrichiens ont forcé les Russes au repli en massant leurs troupes à la frontière nord. Ainsi, les jeunes alliés cherchent une nouvelle cible leur permettant d'affaiblir la flotte et le commerce russe en mer Noire. C'est au dernier moment et avec une certaine improvisation qu'ils débarquent leurs troupes en Crimée. Leur cible, c'est Sébastopol, port important pour la flotte russe et prise assez symbolique pour que sa chute soit humiliante pour le tsar. Après un débarquement assez mauvais, les troupes franco-britanniques avancent bien et finissent par assiéger Sébastopol le 9 octobre 1854. La ville à l'origine assez mal fortifiée a été entourée de remblaiements importants de terre et de tranchées, qui s'avèrent parfaitement adaptés pour résister aux bombardements d'artillerie mis en place par les Français et les Britanniques. Un avant-goût de la Première Guerre mondiale. Par un effort important, les Russes parviennent pendant la nuit à combler les destructions de la journée, rendant un siège censé être facile bien plus long que prévu. L'avancée des Alliés est assez lente, mais vient un moment où le verrou à faire sauter est tout désigné. C'est la tour de Malakoff. Bien sûr.
Alors, on peut observer que le fort de Malakoff soutient le petit Redan à sa gauche et le grand Redan à sa droite. Le petit Redan est couvert par la rade. Sa prise serait donc trop facile à compenser pour les Russes, tandis que le grand Redan est trop solide et soutenu, d'où l'intérêt technique de la prise de Malakoff. Nous sommes alors en juin 1855, et le commandant des Français, Pélissier, décide de mener un assaut coordonné avec les Britanniques le 18 juin, date anniversaire de Waterloo, histoire de symboliser la réconciliation des deux peuples. Une date quelque peu absurde, car prévisible de la part des Russes et forçant à une préparation un peu précipitée. Le plan était assez simple. Une attaque généralisée donnant la priorité aux artilleries encadrant Malakoff, tout en menaçant le petit Redan. Les Britanniques devaient attaquer le grand Redan. Une préparation d'artillerie massive était prévue, le tout engageant 18 000 Français et 3 000 Britanniques, plus une réserve de 7 000 hommes. L'attaque était prévue pour 6 h du matin. Sauf qu'elle fut avancée au dernier moment à 3 h afin de profiter de l'obscurité. Inutile de vous dire que ça a semé une pagaille sans nom dans une opération déjà peu préparée. Pour coordonner l'assaut, 3 fusées éclairantes devaient être tirées 2 h après la fin du bombardement d'artillerie. Un signal peu clair puisque 2 régiments se lancèrent à l'assaut du petit Redan en avance à cause d'un projectile lumineux. Bon, à ce stade, c'est plus une opération planifiée, c'est une attaque de brute. Les Russes ont parfaitement compris avec l'arrêt des tirs d'artillerie qu'un assaut allait venir. Les troupes sont désorganisées par le changement d'horaire et sont mal coordonnées. Et pour couronner le tout, elles attaquent depuis des tranchées lointaines. 400 mètres! À vouloir attaquer rapidement, ni Français ni Britanniques n'ont pris le temps de rapprocher leurs troupes méthodiquement. Dire que l'assaut fut un désastre est un euphémisme, mais je vous laisse seul juge. Les 2 régiments en avance se désagrègent, subissant des tirs en enfilade par des bateaux positionnés dans la rade. Le signal envoyé à 3 h lance la première division contre Malakoff, tandis que la cinquième part en retard et mal organisée, déstabilisée par le nouvel horaire. La réserve fut engagée contre le petit Redan pour compenser l'attaque écrasée du début de l'assaut. À droite de Malakoff, l'attaque avance bien, car bénéficiant de certains couverts. L'assaut direct, par contre, est complètement à la merci des tirs russes. À ce stade, l'avancée sur l'aile gauche devrait permettre une prise à revers. Mais l'échec de l'attaque sur le petit Redan devient si évidente que cela permet aux renforts russes de se concentrer sur la 5e division. L'aile gauche se replie donc sous la pression russe. À ce stade, l'attaque est un échec et les Britanniques devraient annuler la leur, les batteries russes sur leur flanc étant toujours opérationnelles. Cependant, pour des raisons diplomatiques, le commandant britannique décide malgré tout d'envoyer ses soldats car, je cite, si nos troupes étaient restées dans les tranchées, les Français auraient attribué leur échec à notre refus de participer à l'opération. Pas faux. Cette opération de com' a tout de même coûté 1 500 vies aux Britanniques. La vie d'un soldat restant dans cette situation, une statistique. Toutes les troupes sont ainsi prises sous le feu en enfilade de l'artillerie russe. Les pertes sont énormes et la retraite est finalement sonnée à 5 h, après un refus des troupes de réserve de partir à l'assaut. Ce désastre coûte 5 000 hommes aux Alliés contre moins de 2 000 côté russe, pèse énormément sur le moral et crée des tensions notables entre Français et Britanniques. Mais la leçon a été apprise. Le prochain assaut est planifié pour septembre, soit 3 mois après la date initialement prévue. Cette fois, tout est pensé en amont, et le temps réservé est mis à contribution pour l'assaut à venir. Les tranchées sont rapprochées méthodiquement, passant de 400 mètres à 25 mètres la veille de l'assaut. Les tirs d'artillerie sont régulièrement stoppés afin de feinter une attaque et user psychologiquement les défenses russes. Des places d'armes furent mises en place pour permettre aux hommes de se masser avant l'assaut. La date du 8 septembre ne revêtait aucun symbole et l'heure fut fixée à midi. Pas d'obscurité, certes, mais il était également impossible pour les Russes de réparer les dégâts faits par le bombardement d'artillerie durant la journée. Et cette fois, 50 000 Français et 10 000 Britanniques furent déployés. Le temps passé à la préparation n'a pas été vain. Après un bombardement matinal, l'attaque est lancée à midi, en même temps que la fin des tirs d'artillerie. Les Russes sont pris par surprise. Malakoff est envahi par 2 régiments avec célérité et l'artillerie russe est réduite au silence. Le petit Redan voit 2 divisions lui tomber dessus. La rapidité de l'attaque fait que les combats de la contre-attaque russe se mènent au corps à corps dans le fort. Mais le principal est assuré. À midi 10, le drapeau français flotte sur la tour de Malakoff. Le grand Redan, en revanche, résiste bien et empêche les Britanniques d'avancer. Les contre-attaques russes furent menées sérieusement jusqu'à reprendre le petit Redan. Cependant, la prise rapide de Malakoff a permis aux Français de renforcer sommairement leur position, tant et si bien qu'ils tiennent bon. À 17 h, les Russes ont tout repris sauf Malakoff, mais n'ont plus de réserve à envoyer.
La réaction est immédiate. Le commandant russe considère la ville comme intenable puisque l'artillerie peut désormais se déployer à Malakoff et bombarder toute la ville. Il fait quitter Sébastopol à ses troupes et brûle les dépôts. La victoire de Malakoff est donc bien décisive dans ce siège. Il faut tout de même attendre jusqu'au 12 septembre pour que le port soit entièrement pris. La guerre est alors définitivement à l'avantage des Alliés, même si elle ne se terminera qu'en mars 1856. Le siège en soi a bloqué jusqu'à 140 000 hommes contre 60 000 Russes. Les deux assauts de Malakoff ont quant à eux coûté 11 000 hommes aux Français, 4 000 aux Britanniques et 13 000 aux Russes. En France, la victoire finale de Malakoff Enfin, le second assaut, quoi? sera célébrée et le nom de Malakoff sera donné à un quartier qui deviendra ensuite une commune au sud-ouest de Paris. Pas directement, ça s'est fait par étapes. Pour nous, l'intérêt d'étudier cette bataille est de pouvoir comparer assez directement un assaut mal préparé et mal coordonné avec le suivant, infiniment plus soigné. Après une attaque absurde qui fleure bon l'offensive à outrance, le commandant français Pélissier a accepté de prendre plus de temps et d'écouter ses subordonnés. En effet, lorsque l'on parle ici de planification, il ne s'agit pas seulement de dessiner les mouvements sur une carte et de convenir des horaires. Étudier la topologie du terrain, assurer les chemins suivis, étudier le rôle de chaque position adverse. Sans même parler du travail en amont du génie qui met en place les zones de rassemblement, combat les sapes adverses et estime les points faibles du dispositif ennemi. Et l'artillerie, évidemment, qui doit estimer les cibles en fonction des objectifs de l'assaut. Et s'il ne fallait n'en donner plus qu'un, s'assurer que le plan est bien descendu dans la chaîne hiérarchique et que chacun connaît son rôle, condition nécessaire à la future coordination des troupes. Le second assaut de Malakoff étant d'ailleurs un des premiers, voire le premier assaut mené avec des montres synchronisées entre les troupes. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.